Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire la parole de Dieu ce jour tirée de l'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 1er, les versets 57 à 66. Luc, chapitre 1. Les versets 57 à 66. Luc, le chapitre 1er, les versets 57 à 66. Nous lisons. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il dit, et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe et la parole de Dieu demeure éternelle. En ce deuxième dimanche de l'Avent, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai été interpellé pour notre partage de ce jour par ce texte annonciateur de la naissance du précurseur Jean Baptiste. C'est un texte qui présente avec force l'opposition qui existe entre les volontés, entre la volonté de l'homme d'un côté et la volonté de Dieu de l'autre. Mais plus encore, de la préoccupation des hommes qui est si loin, si différente des préoccupations de Dieu, que parfois cette préoccupation humaine tend à modifier la volonté de Dieu, à changer la trajectoire que Dieu a prévu. Non. Il s'appellera Jean. Le thème que je vous propose à partir de ce cri de cœur d'Élisabeth est le suivant. Ne cherchons pas à changer la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à changer la volonté de Dieu. Élisabeth venait d'enfanter un fils. Quelle joie que la venue au monde de l'enfant. C'est une bénédiction. Mais le texte nous dit que lorsque ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, ils se réjouirent avec elle.
ils se réjouirent avec elle. La première leçon à laquelle ce passage nous interpelle est celle de ne pas envier ceux qui sont bénis, mais au contraire, de savoir se réjouir avec eux. Ce n'est pas l'opposé de ce que nous vivons dans notre époque où nous n'aimons pas voir chez les autres la joie d'être béni par le Seigneur. Lorsque quelqu'un est béni, lorsque quelqu'un prospère, au lieu que nous soyons en joie et que nous allions nous réjouir avec celui-là, nous voyons souvent d'autres personnes qui pleurent parce que un tel ou un tel autre est dans la joie. 8 jours après, le texte nous dit qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On peut être surpris de voir que beaucoup de personnes se déplacent pour une circoncision. C'est un événement banal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ablation du prépuce qui était réalisée sur le nouveau-né, à l'époque, ne l'était pas pour un simple changement physique, mais c'était le signe marquant l'entrée du nouveau-né dans l'alliance de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, à l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ça l'alliance entre Abraham et Dieu, pour le peuple et toute sa progéniture. C'est un acte qui a été donc posé en conformité avec la volonté de Dieu. Mais, venu pour la circoncision, ils ont commencé à appeler le nouveau-né par le nom de son père. Zacharie. Zacharie. C'était une habitude de faire ainsi. Mais, une question importante se pose dans cette façon, dans cette habitude, dans cette manière de faire. Nous sommes ici là, au cœur de la pratique des hommes. À l'époque, un enfant est né, lorsque les gens viennent, ils l'appellent par le nom de quelqu'un et toujours généralement le nom du père. Un rituel, mais qui est ici face à la volonté de Dieu. Par habitude, ils ont commencé à l'appeler Zacharie, du nom de son père. Par coutume, il l'appelle Zacharie. Par tradition, il l'appelle Zacharie. Mais était-ce là la volonté de Dieu? Ne sommes-nous pas aujourd'hui, nous aussi, formatés par des habitudes, des rituels, des coutumes, des traditions dans différents aspects de notre vie. Nos actes posés par habitude dans l'église. Nos actes posés par respect des rituels dans notre église. Par respect des coutumes et des traditions dans l'église. Sont-ils toujours conformes à la volonté de Dieu? Pour mieux comprendre, regardons ce couple formé par Zacharie et Élisabeth et on voit plus loin, en arrière, le couple d'Abraham et de Sarah. Zacharie était vieux et sa femme était stérile. Puis un ange de Dieu vient lui rendre visite, et c'est l'ange Gabriel, pendant qu'il était d'officier dans le temple, pour lui annoncer que tu auras un enfant dans ta maison et tu lui donneras le nom de Jean. Et Zacharie, qui a déjà vu tellement de choses, va douter. Il ne va pas croire. Et son acte va faire en sorte qu'il soit privé de la parole. Zacharie n'était pas, il ne s'opposait pas à la volonté de Dieu en agissant ainsi. Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas. Il n'avait pas compris. Parce que c'est, à son âge, il estimait qu'à son âge, et avec ce qu'il a vu, il n'est plus possible qu'il ait un enfant.
Mais maintenant qu'il est devenu mien, et que les îles, parce qu'on a dit que les îles venaient pour la femme. Îles. Ils ont commencé à appeler son fils par son nom à lui, Zacharie. On impose une appellation. Nous savons, même nous, de nos jours, que donner un nom, une appellation à quelqu'un, c'est lui donner une identité. Qui a un parcours qu'il sera amené à suivre à travers cette identité. Or, lorsque les îles viennent imposer une appellation pour son enfant, on est en train de lui préparer une identité qui n'est pas la sienne. Ça, c'est un acte, n'est-ce pas, des êtres humains qui ne lisent pas, qui n'ont pas encore vu la volonté de Dieu. Il fallait bien que quelqu'un empêche que cela se produise. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes appelé, on vous commence à vous appeler un tel, si vous êtes convaincu que vous êtes dans l'intimité de Dieu et que cela ne convient pas, il ne faut pas accepter. C'est Élisabeth qui va intervenir ici et c'est la deuxième leçon de ce patriarche parce qu'elle dit non. Elle va dire non. Il s'appellera Jean. Nous devons oser dire non lorsque les autres tentent de nous conduire dans des voies qui ne sont pas celles que nous savons être des voies de Dieu. Il sera appelé Jean, telle était la volonté de Dieu. Lorsqu'aujourd'hui, on affuble des gens d'appellation, on nous appelle pasteur, on commence à vous appeler pasteur, si vous-même vous savez que vous n'êtes pas pasteur, n'acceptez pas qu'on vous appelle pasteur. Mais la mutation de notre monde aujourd'hui, c'est que les gens acceptent qu'on les raccole avec des appellations qui leur donnent des identités qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Malgré la réponse d'Élisabeth, ils se sont entêtés, ne voyant dans ce qu'elle dit, ils ne voient pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont enfermés dans leur tradition. Il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et balayant Élisabeth, ils se sont mis à faire des signes. Ils font des signes à Zacharie. Comment tu veux qu'on l'appelle. Et la réponse de Zacharie était venue. Elle était simple, directe. Jean est son nom. L'autre leçon qui nous est ainsi donnée, c'est qu'il faut savoir sortir de nos traditions inutiles. Personne n'a appelé de ce nom. Et aussi de voir l'autre, le prochain tel qu'il est, et non comme nous le pensons. Dans notre église, il y a des traditions, comme celle par exemple la visite du bureau de l'église en France, chaque année. Cette tradition reflète-t-elle la volonté de Dieu? Si cette visite ne s'effectue pas, la foi va-t-elle disparaître des cœurs de ceux qui veulent adorer le Seigneur ici selon le rituel de notre église? Pourquoi nos responsables font des signes aux chrétiens de la diaspora et se comportent-ils avec nous comme des muets, comme des gens qui ne savent pas parler parce qu'ils sont enfermés dans leur tradition et font semblant de s'intéresser à nous, mais nous privent de la parole dans les cours de l'église et ils parlent à notre place. Zacharie le muet a parlé. Et il a dit, Jean est son nom. Il faut cesser d'être muet. Personne ne doit dire à notre place ce que Dieu nous révèle. La volonté de Dieu est que Jean, cet enfant-là, son nom, c'est Jean. La volonté.
la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, ce que nous sommes. Nul autre ne doit venir changer la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Et pourquoi Jean? Pourquoi avoir choisi que ce soit Jean? Parce que la volonté de Dieu était que Jésus ait quelqu'un qui va le précéder, qu'il ait un précurseur. C'est le plan de Dieu. Jean devait venir au monde avant le Christ, parce qu'il avait un rôle précis à jouer sur le chemin de celui qui devait venir. Le chrétien aujourd'hui est une personne qui doit faire attention à ses propres préoccupations par rapport à la volonté de Dieu. Très souvent, la volonté et les traditions humaines s'opposent à la volonté de Dieu. J'ai jeté un coup d'œil pour dire que dans le passé biblique, nous avons des exemples de cette opposition entre la volonté humaine par rapport à la volonté de Dieu. Nous avons un cas, par exemple, quand les êtres humains décident, n'est-ce pas, de bâtir la tour de Babel. Ils font cette tour, mais ceci en contradiction avec la volonté de Dieu. Nous avons le cas, par exemple, dans le désert, lorsque le peuple, alors que Moïse est à la recherche, n'est-ce pas, des commandements de Dieu, le peuple reste se bâtir un veau d'or. Nous avons encore un exemple plus direct. C'est le rejet que Pierre, disciple, va connaître auprès de Jésus lorsqu'il lui dit « Arrière de moi, Satan !» Volonté de Dieu, préoccupation des hommes. Posons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur, la question aujourd'hui, si nos actes sont conformes à la volonté de Dieu. Si nous sommes dans notre rôle de ceux-là qui préparent le chemin du Seigneur qui vient. Moi, j'ai aimé le comportement de Zacharie parce qu'il a compris. Parce que finalement, il a compris. Il a agi selon la volonté de Dieu de dire que Jean sera, c'est son nom. C'est ce que le Seigneur lui a dit à travers l'ange Gabriel, que tu lui donneras le nom de Jean. Pendant que Élisabeth dit qu'il s'appellera Jean, Zacharie dit Jean est son nom. Nous ne sommes plus ici dans la projection, mais nous sommes dans la réalité, dans le présent, n'est-ce pas, du vécu de ce nom par cet enfant. Demandons à Dieu de nous aider, bien-aimé le Seigneur, à discerner sa volonté. Et faisons comme Zacharie, quand il a compris, le texte nous dit, il s'est mis à louer le Seigneur, à chanter des louanges au Seigneur. Ne cherchons pas à changer la volonté de Dieu. Abi e matibe apope lanale agati benguye lona kwe la mengun son wanso di gwele gwela son ye na pe sohana Gwelanson, kena ala na bo, inu Yesu manmu, nu awe inu ye. Kalabo po baso, leba yel minye mwa, leba e, le Yesu agati bolila. Gwelanson. Ye na pe sana be on bana leke nisu gwelanson baba ni mil baye baye ga datia gatani betawe
kena homanye so leni ut babasu son unya be unkola be bo babasu wela so wela so wela so wela so yenape sana Dans cette marche vers la venue de ton fils Jésus dans notre histoire, vers la Noël, nous te disons merci de nous rappeler d'être conforme dans nos actes, dans nos agissements, dans notre vécu à ta volonté. C'est toi qui nous parles. Tu parles à chacun d'entre nous selon ton désir. Tu nous parles chacun lorsque tu le veux, où tu le veux et quand tu le veux. Mais permets, Seigneur, que nous soyons ceux-là qui restent vigilants, qui discernent, afin de ne pas tomber entre les mains du malin par faiblesse, parce que nous laissons le malin nous dominer, parce que nous ne lisons pas ta volonté au quotidien, même là où tout est incompréhensible pour chacun d'entre nous. Bénis donc nous tous ici présents. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas ceux qui changent, qui bougent à droite, à gauche, en face, dans le vécu de ta parole. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit nous gardent tous entre les mains, notre Seigneur maintenant et à jamais. Amen.